Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wow, un Happy Meal! Quoi? Quelle horreur! Ces frites sont délicieuses, je les adore! C'est tout simplement merveilleux! Mais quel goût ont-elles? Elles sont si délicieuses! On en redemande! Je pourrais mettre des frites dans la fontaine de chocolat? Je me demande quel goût ont les frites au chocolat! Ça doit être génial! Oh, c'est trop bon! Un goût exquis! Et pourquoi ne pas plonger tout le paquet d'un coup? Et maintenant, j'ai des frites au chocolat! Miam! Oh, c'est vraiment impoli! C'est fini! C'était trop bon! Tu as mangé tout? Non, j'ai encore un burger et je vais aussi le tremper dans le chocolat! C'est tellement bon! Un burger au chocolat! Trop bon! Tellement délicieux! C'est incroyable! Je sais pas m'arrêter! Oh, tu as de la chance! Moi, j'ai des pâtes dégoûtantes! Allez, mange-les! Bien sûr qu'elles soient dégoûtantes ou non, elles sont amusantes! Je vais jouer avec! Oh, c'est trop bien! Oh non! Enlève ces trucs de ma tête! C'est horrible! Voici la fontaine! Allez, mange! D'accord, je vais les manger, ces pâtes de poulet dégoûtantes. J'espère que le chocolat améliorera un peu leur goût. Oh non! Oh, Berk! Oh, c'est vraiment dégueu! Comment t'as pu? Je me demande ce que j'ai. Oh non! Quelle déception! Qu'est-ce que j'ai? Oh, une sucette géante! J'adore les énormes sucettes! Je vais la plonger entièrement dans le chocolat! Du caramel avec du chocolat! C'est tellement génial! Très savoureux! Mais il manque quelque chose! Oh, je sais! Bien sûr! Des petites décorations! Je vais les tremper entièrement comme ça et lécher le caramel! Oh, c'est trop cool! Oh, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, là? Je vais faire ça tout de suite. Je vais verser du citron sur sa sucette. Il n'y a rien là-bas. Pourquoi tu dis ça? Oh, quel goût dégoûtant! Mais qu'est-ce que c'est? Tu as fait ça? Allez, mange tes citrons, toi. Ok, j'ai pas envie, mais je vais les manger. Oh, c'est tellement acide! J'espère que le chocolat améliorera leur goût. Ou peut-être pas. Je ne pense pas que ce sera bon, mais je suis prête. Oh, les citrons sont super acides! J'en suis toute retournée! C'est un tel cauchemar! Ils sont tellement affreux! Mais je vais quand même manger celui-ci. Allez, le suivant! Il n'en reste qu'un! Oh. Et moi, j'ai fini ma sucette. Elle était assez délicieuse. De plus, elle a du chewing-gum à l'intérieur. Ah, ça, c'est marrant! Laisse-moi ouvrir le mien. Bah, du poisson qui pue! Mais quel cauchemar! Je ne mangerai pas de poisson! J'espère que j'ai quelque chose de bon. Oh oui, un hot dog! Excellent! Je vais le prendre très discrètement, donne-le-moi. Non, mange ton poisson dégoûtant, toi. Il est complètement cru, ça sent tellement mauvais. Oh, quel cauchemar! Quelle odeur horrible! Oh, j'ai trouvé quelque chose! Une pince à linge! Je vais me boucher le nez avec cette pince à linge pendant qu'elle mange du poisson. Je vais le tremper dans la fontaine. Mais le poisson avec du chocolat, c'est quelque chose! Oh, je vais le goûter, mais je vais prendre qu'une petite bouchée. Ah, c'est horrible, je vais juste le manger en entier. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! Berk! Cette horrible colonne vertébrale sur ma tête! Berk! Pourquoi tu as fait ça? Bon, allez, oublions. Maintenant, je vais tremper mon hot dog dans le chocolat. Ça devrait être très bon. Je vais le manger en entier aussi, comme toi avec ton poisson. Mais je n'en retirerai qu'un immense plaisir. Oh, c'est trop bon! Trop, trop bon! Ah, oh, j'aurais espéré pas avoir vu ça. C'est tellement indécent. Oh my god! Okay. Allez, ouvre-le! Oh non!
au citron et des huîtres. Les huîtres au chocolat, c'est horrible, ça. Et toi, tu as quoi? Oh ouais, j'ai des guimauves. La combinaison parfaite des guimauves au chocolat, avec des petites décorations. C'est ce qu'il me faut. Allez, on en met un peu sur le dessus. Waouh! Oh, c'est trop bon! C'est fantastique! À ton tour maintenant. Oh, c'est dégueu! D'accord, je vais le tremper dans le chocolat. Peut-être que ça aura un meilleur goût, mais c'est quand même horrible. Ok, je dois les manger maintenant. Waouh! Je vais m'évanouir, c'est dégueu! Super, allez, continue de manger. D'accord, je vais en mettre deux sous la fontaine d'un coup. Je veux me débarrasser au plus vite de ce truc dégoûtant dans ma bouche. Eh bien, j'ai probablement jamais mangé autant de saleté. Oh, c'est vraiment pas bon. Je peux plus en manger, c'est dégueulasse. Et toi? J'ai déjà fini les miennes. Alors? Oh non! Encore un truc dégueu, c'est de l'oignon. Pas de chance du tout. Et toi, tu as quoi? Voyons voir ce que j'ai, moi. Oh, de délicieux biscuits avec des M&M's. Merveilleux. Ils sentent trop bon, mais quelle bonne odeur. Je vais tremper un biscuit dans le chocolat. Voyons quel goût j'obtiens. Oh, c'est sucré. C'est trop bon. Donne-en, s'il te plaît. Non, maintenant tu manges ton oignon et je vais savourer ce délicieux biscuit. Maintenant, je vais faire comme ça. Je vais les tremper immédiatement dans le chocolat. C'est trop bien. J'adore ce goût. C'est un véritable festin. J'aimerais aussi quelque chose comme ça, moi. Je suppose que je vais devoir manger mon oignon. Oh, ça pue. Oh, peut-être que je vais juste lécher le chocolat qui est sur le dessus de l'oignon. Allez, je vais croquer dedans, d'accord. Waouh, c'est dégueulasse. Oh, je vais pleurer. Allez, prends des mouchoirs, tiens. Merci. Ils sont très utiles. Allez, c'est parti, c'est vraiment terrible. Le chocolat n'a pas aidé du tout. Berk. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Que se passe-t-il? Oh, désolé. Je pensais pas que ça arriverait. Et qu'est-ce que notre petite Emma veut, en premier? Oh, une pizza? Bon choix. Allons-y, essayons de cuisiner rapidement et ensuite nous mangerons copieusement. Je sais déjà quelle pizza je vais faire pour ma petite fille bien-aimée. Elle ne refusera certainement pas une pizza pepperoni classique. J'ai besoin de plus de sauce tomate. Mettons plus de fromage dessus et... du salami aussi. Quelle beauté! Il ne reste plus qu'à la mettre au four. Parfait. Qu'est-ce qui se passe, chef? Regardez. Eh bien quoi? Je vais étaler la pâte avec ce super rouleau. On va l'étaler ici. Regardez, juste comme je vais faire. Oups! J'ai fait un peu tomber, mais ce n'est pas grave. Je suis juste en train d'apprendre à cuisiner, mais je vais certainement faire la pizza la plus délicieuse pour ma petite sœur. Allez, je suis gentille. Prends ma pâte, elle est déjà toute prête. Allez, prends-la. Merci, mamie. J'ai décidé de faire une pizza sucrée. Elle sera certainement délicieuse. Je vais mettre un petit peu de guimauve fondue. Et ensuite, je vais mettre des skittles colorés. Ça a l'air génial. Maintenant, il faut mettre tout ça au four. Incroyable, c'est ma première pizza. Eh bien, le club des amateurs de cuisine est terminé.
ce qui signifie qu'il est temps que le chef professionnel prépare une véritable pizza italienne. J'ai besoin d'une pâte parfaite. Nous allons la colorer en noir. Parfait. Maintenant, il faut bien pétrir la pâte pour la rendre encore plus moelleuse. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, j'aurai besoin de mon rouleau. Avec ça, je pourrai étaler la pâte parfaitement. Ajoutons plus de sauce tomate. Et saupoudrons le tout avec le fromage. Et maintenant, ajoutons quelques crevettes. Je suis certain que la petite Emma appréciera tous mes efforts. Allez, pour que ce soit encore plus beau, je vais ajouter des moules et des petites tomates cerises. Allez, maintenant au four. Prépare-toi, ma petite pizza incroyable. Je viendrai te sortir dans 5 minutes. Oh. Et maintenant, on peut faire une petite sieste. Oh, la pizza est prête! Pizzas sont prêtes, il est temps de les servir à la petite Emma. Elle a vraiment faim. Allez, allons-y. Les pizzas de tout le monde sont intéressantes et originales. Intéressant! Oh, cette pizza est brûlée. Qu'est-ce que c'est? Des fruits de mer? Quelle horreur! Je ne vais certainement pas manger ça. Oh, et ici? Waouh! C'est une pizza avec des skittles. C'est génial! Il faut absolument essayer. C'est pas très très bon. Qu'est-ce que c'est ici? Oh! Cette pizza, elle ressemble à celle que j'ai dessinée. Oh! Et le goût est super bon! Cette pizza est vraiment la gagnante. Bien sûr que mamie savait ce que sa petite fille aimait. Tout le monde a compris. Oh, je me demande ce que Emma va dessiner cette fois. Oh! Un burger? Génial! Tout le monde est prêt à préparer le meilleur burger? Est-ce que je dois vraiment utiliser cette viande hachée dégoûtante? Elle est tellement glissante! Berk! Je préférerais faire quelque chose de plus cool. J'ai une idée de faire un burger sucré que ma petite sœur appréciera certainement. Et sans cette horrible viande hachée. Juste des marshmallows et plein de sucreries différentes. Miam! Délicieux! Et ensuite, j'ajoute des marshmallows. Oh non! Je vais faire un burger classique. J'ai juste besoin d'un pain frais et ensuite je les ferai chauffer un peu. Bon, eh bien, je ne vois pas de concurrent à l'horizon. J'ai appris à faire des burgers à 3 ans. À 5 ans, j'ai remporté le concours mondial du meilleur burger du monde. J'ai besoin de viande hachée pour faire une délicieuse galette. Nous allons former des petites boules et les faire frire. Et ensuite, on va les presser pour faire des bons burgers. Oh, je suis fatiguée. Oh non, je ne peux pas m'endormir. Allez, personne n'aime les galettes brûlées, voyons. Oh, mon Dieu! Grand-mère, pourquoi tu cries comme ça? Je vais faire griller des marshmallows pour qu'ils soient 100 fois meilleurs. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux les mettre sur mon burger. Ajoutons quelques bonbons aussi. Et ensuite, je les mets sur le pain. Magnifique! Ça a l'air tellement appétissant que ma petite sœur va adorer. Oh, quelle créativité! Oh, je suis distraite. Je dois faire griller le pain, puis le bacon. Maintenant, je peux assembler mon burger. Mettons du ketchup sur le pain. Ensuite, une feuille de laitue, un steak haché et du fromage. Sur le dessus, mettons quelques tranches de tomates et de l'oignon. Un peu de bacon croustillant et c'est parfait. Ainsi de suite, plusieurs couches pour que la petite Emma soit bien rassasiée. Oh, ça a l'air super! Ton burger a l'air vraiment génial! Maintenant, je vais assembler le mien. J'ai déjà mis les ingrédients nécessaires. Il reste juste à ajouter quelques tranches de légumes. Un peu de sauce dessus et refermons le tout avec un pain croustillant. Magnifique! Oh, mon Dieu, Chris! Désolée, mamie, je n'arrive pas à m'arrêter de faire griller quelque chose! Avant que Chris ne brûle son burger, donnons-le vite à Emma pour la dégustation. Emma, c'est à toi de juger les burgers! Waouh, j'adore celui-ci! Je veux le goûter tout de suite! Oh, il est tellement énorme et tellement délicieux! Et maintenant, j'essaye celui-là. Oh, il est aussi très bon! Oh non, tout est tombé! Bon, passons au suivant. Celui-ci a l'air si inhabituel, je reconnais le style de ma sœur. Bon, allons... Oh, avec des bonbons? Et même...
Même des marshmallows, je reconnais vraiment le style de ma sœur. C'est vraiment très bon. Quel est délicieux ce marshmallow. Yes. Bon, maintenant, il est temps de choisir le gagnant. Le chef remporte la victoire. Je savais que j'allais gagner. Grand-mère s'est déjà endormie. Emma, de nouveaux désirs? Oh! Des nuggets! Ça a l'air génial! Allons-y, commençons rapidement à cuisiner. C'est vraiment très facile. Pour commencer, versons un petit peu d'huile dans la poêle. Parfait! Grand-mère, est-ce que je peux avoir de l'huile aussi? Merci! Oh, pourquoi elle ne coule pas? Elle est cool! Oups! J'ai un petit peu exagéré maintenant. Et tu devrais être un petit peu plus prudente. Je dois découper les morceaux de poulet pour les nuggets en petits morceaux. Maintenant, passons à la panure. Cassons l'œuf, mélangeons. Et maintenant, soyez attentifs. On trempe le morceau de poulet dans l'œuf et puis dans la chapelure. Et on obtient un joli nugget qu'il ne reste plus qu'à faire frire. La petite Emma va certainement apprécier mes nuggets. Mettons tout dans une assiette. C'est prêt. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un professionnel. Nous aurons besoin d'une feuille d'or. Décorons les nuggets avec une feuille d'or. Garnissons l'assiette de tomates cerises et de verdure. Et pour une présentation spectaculaire, utilisons de la glace sèche. Regardez comme c'est beau. Tout le monde rend les choses si compliquées. Moi, je vais juste faire frire des nuggets déjà prêts. Mais ajoutons un peu à la recette. J'ai besoin d'un paquet de Cheetos. Maintenant, écrasons-le en miettes. Allez, c'est parti. Super. Prenons un nugget prêt. Ensuite, mettons-le dans le fromage fondu. Et puis, roulons-le dans les miettes de Cheetos. Bon, il me semble impératif de devoir goûter. Bon, ok, ok. Je les mets dans les miettes de Cheetos et puis je les mets à frire. Comme ça sent bon. Je suis sûre que ma petite sœur va adorer. Tu es géniale, Chris. Oh, j'ai complètement oublié le ketchup. Versons-en beaucoup dans un petit bol à sauce. Maintenant, Emma peut goûter. Ouh, ça a l'air tellement bon. Je veux essayer tous ces nuggets de suite. Oh, ils sont tellement bons, les nuggets dorés! Mais le goût, c'est passable. Et ici? Ceux-ci sont vraiment à mon image. Essayons! Oh, ces nuggets ont l'air si inhabituels! Oh, ils sont trop bons! Oh, et le fromage se tire si bien! C'est super bon! C'est le gagnant! Bon, et bien, que préparons-nous cette fois? Je veux des biscuits! Je suis sûre que tout le monde est prêt à cuisiner des biscuits. C'est parti. Eh bien, j'ai besoin de ce moule. Mais attendez, pourquoi ai-je besoin d'un moule? Si j'ai un rouleau à pâtisserie. Je vais étaler la pâte de manière géniale. Grand-mère, je suis en train d'étaler la pâte. Tu ne sais pas étaler la pâte. Laisse-moi te montrer. Comme ça. Maintenant, découpons des biscuits ronds à l'aide du moule. Éliminons tout ce qui est superflu. Mettons l'air sur la plaque et hop, au four pour cuire. Waouh, même le chef a déjà fait des biscuits et les a mis au four. Pourquoi les miens ne sont pas encore prêts? Il faut m'y mettre tout de suite. Avec ce couteau à pizza, je vais découper les biscuits. Maintenant, regardez. Saupoudrons le tout avec des Skittles. Ma sœur va adorer. Regardez, je pourrai en manger toute l'année. Direction le four pour la cuisson. Mes biscuits sont déjà prêts. Il ne reste plus qu'à les sortir. Quelle délicieuse surprise! Maintenant, nous pouvons les servir. Ça sent bon. Vous n'avez encore rien vu de ce que je suis capable de faire. Je vais faire non seulement des biscuits, mais aussi une maison en pain d'épices pour la petite Emma. Elle appréciera certainement ma créativité. Elle n'a jamais mangé de si gros biscuits auparavant. Nous allons ajouter quelques détails à cette maison. Et maintenant, il suffit de les décorer avec des bonbons. Et ensuite, nous allons saupoudrer le tout de sucre de glace. Et voici la maison de pain d'épices enfin prête.
Elle est aussi parfaite que n'importe quel plat que je cuisine. Wow! Est-ce que je t'ai autorisé à manger mes biscuits? Rends-moi ça! Chris, tes biscuits sont en train de brûler! Oh non! Mes biscuits, ils sont complètement brûlés! Quel désastre! Eh bien, il est temps de servir les biscuits à Emma. Il est temps de nourrir notre petite. Quoi? Oh, ces biscuits ont l'air horribles! Je ne veux même pas les essayer! Ils vont me casser toutes les dents! Mais celui-ci a l'air plus appétissant, je vais le goûter! Waouh, c'est délicieux! Et qu'avons-nous ici? Waouh, c'est une maison en pain d'épices! Ça a l'air incroyable! Oh, qu'est-ce que c'est bon! Et la porte, quel goût a-t-elle? Délicieux aussi! Je suis sûre que le chef remporte la victoire! Waouh, les filles, je n'ai jamais vu autant de bonbons gélifiés! Dommage qu'Emma ait obtenu un seul bonbon gélifié, elle! Ne sois pas déçue, je suis sûre qu'il sera le plus délicieux de tous! Arrête de rire, toi, la geek! Tiens ça! Et quoi? On n'a pas le droit de rire ici! Oh, il faut donner une leçon à Emma! Exactement! J'ai une idée pour une super blague! On va juste se maquiller un peu, mettre un peu de ketchup sur son œil et un bonbon gélifié, et les autres penseront que c'est réel! Emma, j'ai un petit problème! Oh non! Mon œil a sauté, que faire? Quel cauchemar, c'est ton œil, vraiment? Retire-le, retire-le! J'ai une méthode infaillible! On me l'a apprise lors des cours de secourisme! Hourra, ça a marché! Comment tu te sens? Mes bonbons préférés! Ils sont tellement sucrés que je pourrais les manger pendant des jours! Et c'est quoi ça? Oh mon Dieu, un œil! Oh là là, les filles, c'était amusant! Mais Lily aurait pu se blesser! Ne faites plus de farce comme ça! Emma, mange rapidement ton œil en bonbon! Il est délicieux! Dommage qu'il n'y en ait qu'un! Qui est le suivant? Lily? Pas de problème! J'ai même 10 yeux en bonbon, moi! Je me demande combien je peux en mettre dans ma bouche! Waouh, ils sortent tous! Il ne reste que le dernier! Comment je suis avec un œil rouge ouvert? Ah, j'ai tout mangé! Phoebe, tu peux commencer! Enfin! On m'attendait déjà pour 100 yeux en bonbon! Quelle délicatesse! Désolée, je les ai tous mangés! Et ça, c'est quoi? D'où viennent ces yeux supplémentaires? On nous a pas enseigné ça en biologie! Cette fois-ci, Lily a eu moins de chance. Elle n'a qu'un Twix, mais il est aussi délicieux que les autres. Waouh, Lily, tu t'es jetée sur la barre chocolatée, toi. As-tu faim? Oh, on dirait que Phoebe a été touchée, ou plutôt emballée par Lily. Oh, j'ai une idée sur comment manger mon Twix. Je peux le découper en petits morceaux avec ma nouvelle tronçonneuse. Mon père me l'a offert pour mon anniversaire, c'est cool, non? Super, je vais pouvoir manger mon Twix pendant très longtemps. Il ne reste qu'un tout petit peu, c'est fait. Oh, désolé. Il faut le manger rapidement avant que ça ne fonde. C'est délicieux. Pourquoi vous regardez comme ça? Allez, mangez. Pas de problème, j'ai eu 10 Twix. Ce sera mes chocolats préférés. Maintenant, débarrassons-nous des emballages superflus et commençons à dévorer ces délices sucrés. C'est bon. On se léchera les doigts. Mais... Oh, j'ai une idée! Regardez, j'ai une petite bouteille de lait. Oh, désolée Phoebe, t'es encore touchée? Retire ta tête. Je vais dissoudre les barres de chocolat dans le lait pour obtenir du lait au goût de Twix. N'est-ce pas une super idée? Maintenant, j'ai du lait au chocolat et plein de barres. C'est le dîner parfait! C'est délicieux. Voilà! Voilà, j'ai fini. Phoebe, allez, tu es la suivante. Hourra, c'est à moi! Je vais déchirer tout l'emballage, comme ça, ça ira plus vite. Super, maintenant j'ai une idée géniale. Pas de jeu, pas de nourriture. Mon père est un constructeur et je suis tout comme lui. Je l'ai souvent vu construire de très hauts bâtiments et je veux faire pareil. J'ai du Nutella et beaucoup de Twix. Waouh, c'est tellement haut! Je vais y arriver, regardez! C'est une vraie tour! Encore quelques Twix et ce sera prêt! Les filles, vous avez quelque chose en tête? Oh, et Phoebe, vous a-t-elle donné la permission? Oh, les gourmandes ont attaqué le bâtiment de Phoebe! Oh, voilà qu'il s'effondre! Et moi aussi, je tombe! Non, non, je ne veux pas tomber, ça fait mal! Je regardais, je suis un oiseau et... Oh non, je ne suis pas un oiseau, c'est effrayant! Oh, je suis déjà fatiguée! Oh,
je vois le sol. Aïe! Lily, Emma, vous avez cassé mon bâtiment. Je suis tombée, mais le casque m'a protégée. Oh, c'est un mur entier de Springles. Et Emma a une toute petite puce. C'est triste, mais Emma, tu dois la manger très élégamment. Accorde-lui plus d'attention. Goûte toute la saveur. Pour la manger, il me faut une loupe et une petite pince. Il sera beaucoup plus facile de la manger. C'est une toute petite chips. Essayons. C'est délicieux. Phoebe, allez, continue. Hurrah, j'ai un petit paquet de Springles. Je vais le manger tout en entier. Mais d'abord, il faut l'ouvrir. C'est difficile à ouvrir, j'ai besoin d'un plan. Exactement, cette scie va m'aider à ouvrir l'emballage beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ouvert. Tout le monde est prêt pour une dégustation extrême? Allons-y. Je vais attraper tous les Pringles, aucun ne sera épargné. Hop! Et voilà, c'était le dernier. Je crois que je tombe. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec Phoebe, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. J'ai quand même 100 paquets complets et je vais m'en sortir rapidement. Qui sont bons ces chips? Je ne peux pas m'arrêter. Moins 2 paquets. Oh, désolée Phoebe. Et un autre. Que se passe-t-il si j'en prends 2? Oh, c'est génial. Oh non, elle va encore me toucher. Oh, le casque, c'est une super idée. La dernière fois, il a vraiment bien aidé Phoebe. Que se passe-t-il? Aïe, ma tête me fait mal. Emma, pourquoi Lily lance-t-elle des paquets? J'ai perdu connaissance plusieurs fois. J'ai une idée, il faut détruire ce mur. Allez, c'est parti. Oh non. Oh, je me suis fait quelques bosses. Les filles, je ne peux pas me lever. Je suis écrasée par les chips. Oh, les chips venaient dans ma bouche. Vous ne voulez pas que je vous mange? Oh, c'est dégoûtant. Du brocoli. Qui a pu inventer ça? Lily, tu as beaucoup de chance, toi. Tu n'en as eu qu'un tout petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a aucun goût. En fait, c'est même dégoûtant. Oh, je sais quoi faire. Je dois l'enterrer, ce petit. Oh, plutôt le planter. Ma grand-mère m'a appris. Maintenant, je vais faire pousser un bel arbre. J'espère qu'il portera de bons bonbons. Oh, Lily, tu es sur le point d'enterrer Emma et Phoebe. Tu devrais faire attention. Bon, d'accord. Regardons ce que tu vas faire pousser, là. Et combien de temps il faudra attendre? Longtemps? Les arbres mettent longtemps habituellement à pousser. Phoebe, allez, continue. Moi, honnêtement, je n'en ai pas très envie. Je n'aime pas le brocoli. Berk, qu'il sent mauvais en plus. Il me faut quelque chose de délicieux à boire, vite. What? Oh, de l'eau. Bien sûr, j'ai oublié qu'il fallait arroser la graine pour que l'arbre pousse. Je suis si bête. Tout va bien maintenant. Il suffit juste d'attendre encore un peu. Oh non, mais que se passe-t-il? Que faire, les filles? J'ai peur. C'est du brocoli. Où sont les friandises? Je ne peux pas manger du brocoli, moi. Oh, mais ça a l'air cool. Quoi? Il faut le manger? Oh, c'est dégoûtant. Oh, j'en ai la nausée. Allez, à toi maintenant. Bon, allez. Peu importe, je vais penser à quelque chose. Regardez là-bas. Oui, oui, regardez mieux. J'ai vu une licorne là-bas. Quoi? Emma, tu triches. On va apprendre à Emma. Allez, lance. J'attrape tout. Et aussi du brocoli, je l'attrape aussi. Les filles, j'ai tout mangé, c'était vraiment délicieux. Emma, une petite surprise pour toi. Tu as laissé échapper un peu de brocoli ici. Tu en veux? Oh non, du brocoli qui pue.